Yo les potes, c'est une nouvelle vidéo. Comment débloquer le sac à dos Portrait Spectral? C'est un petit sac à dos violet avec le Skull Trooper. Je vais vous expliquer comment le débloquer parce que faut faire des défis pour l'avoir. Les défis sont assez chiants. Du coup, voilà à quoi il ressemble. Il y a trois customs, une verte, une bleue et une violette pour ceux qui ont le Skull Trooper violet. Du coup, les défis, je vais vous les montrer un par un. Premièrement, vous devez infliger des dégâts à des adversaires en une seule partie, donc vous devez le faire genre 300 dégâts, je crois, je sais plus. Vous devez fouiller des coffres en une seule partie, je crois c'est 6 coffres. Vous devrez faire des parties avec une élimination, je crois que c'est genre 20 parties. Accomplir des défis rapides et faire des parties. Il me manque plus qu'une partie, du coup on va le faire ensemble. Et pour avoir le skin, pour avoir le sac à dos, vous devez acheter le petit skin Skull Trooper. Voilà, comme ça vous débloquez les défis et vous allez pouvoir avoir le sac à dos. Il manque une seule partie, du coup on va lancer tout de suite. Hop. Vous n'avez pas besoin de juste jouer, vous sautez du bus, hop, vous quittez direct et ça vous compte comme une partie. Du coup c'est parti. C'est un petit peu long, évidemment. Allez, allez. Pam pam. Ok, enfin. Du coup voilà les défis, il y en a 5. Ils sont grave chiants parce que genre ça fait 2 jours que je les ai, j'ai toujours pas fini. 50 parties, c'est pas rapide, genre c'est 50, c'est quand même long. Du coup voilà. Après vous devez ouvrir des coffres, faire des défis rapides, et faire des parties avec des kills, et infliger des dégâts. Donc c'est un peu chiant mais bon. Après vous débloquez un petit sac à dos plutôt stylé. Mais je pense que je vais même pas le jouer donc c'est pas ouf. Ok. Ah bah regardez, lui il l'a. Il a le sac à dos là-bas. Bon. On attend. Il reste 4 secondes pour que la game se lance. Et après, on saute du bus. Hop. Ok. On va sauter. 3, 2, 1, hop. Ensuite, vous quittez. Et là, on va récupérer la récompense. Je sais même pas si on peut le faire. Je me rappelle, je crois à l'époque on pouvait faire le défi sans avoir le squelette. Parce que genre il y a des personnes, ils ont le sac alors qu'ils ont pas le skin squelette. Du coup vous avez reçu une récompense pour avoir accompli les défis du soldat au crâne. Portail spectral. Oh. En vrai il est stylé. En vrai il est très stylé. Du coup voilà les gars, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous aura plu, et vous aura fait plaisir et vous aura aidé surtout. Hop, on va regarder les petits. Voilà, en vert aussi. Du coup, voilà, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et pensez au code créateur NSU dans la boutique Fortnite. Ciao!